Il y a un bon moment, je ne suis pas sur Facebook. Alors hier, j'ai vu le direct où il y a des gens qui sont en train de demander pardon au gouvernement, à l'État, pour qu'on libère Madic Sans Frontières. Leur soi-disant hypocrisie là. Nous sommes au 4e République. Au 4e République. Alpha Condé que vous avez connu en 2010, Alpha Condé que vous avez connu en 2015, ce n'est pas le même Alpha Condé qui est là en 2020. Là. Guinéen, il faut qu'on apprenne à respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Après tout ce que Madic a fait, tout ce que Madic a fait ici, ses propos insensés, il a appelé aux enfants, il a incité à la violence. Il n'y a pas ce que Madic n'a pas raconté ici sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni rien. Certes, Madic est frustré du RPG. Mais nous sommes tous frustrés du RPG. Tous. Moi, perso, je suis frustré du RPG. Toi qui parles là, tu es frustré du UFDG. Madic aussi. Mais dans la vie là, il faut avoir de la conviction. Personne n'a dit à Madic de quitter le RPG pour aller se réfugier au UFDG. C'était sa conviction. Personne n'est contre ça. Personne n'est contre ça. Tout le monde est libre d'aller où tu veux. Moi, aujourd'hui, je suis au RPG. Si je veux partir là, chez Fanla, ou bien Patex ou UFDG, je suis libre, comme le poisson dans l'eau. Mais cela ne veut pas dire que si je décide d'aller au UFDG là, parce que j'ai été frustré du RPG, je vais aller me raconter du n'importe quoi, à insulter, à inciter à la violence, à souhaiter la guerre dans mon pays. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Vous voulez demander, vous voulez plaider la cause de ces personnes-là qui ont été arrêtées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Avant Madic, il y avait des personnes qui ont été arrêtées. Avant Madic, il y avait des gens de UFDG qui ont été arrêtés. Avant Madic, il y avait des imbéciles qui incitaient à la violence qui ont été arrêtés. Madic a été arrêté. D'autres personnes aussi. Maintenant, là, Madic, il est le seul. Les autres là n'ont pas de parents. Les autres là n'ont pas de mère. Les autres là n'ont pas de soeur. Les autres là n'ont pas de tante ou de père. Attendez, il faut qu'on soit sérieux là. Il faut qu'on soit sérieux là et qu'on se respecte. Qui sommes-nous pour venir dire sur les réseaux sociaux, il faut qu'on libère telle personne, il faut qu'on pardonne telle personne. Parce que nous, on est qui? Hein? Parce que nous, on est qui? La loi est là, c'est pas Alpha Condé qui a arrêté Madic. C'est l'État qui a arrêté Madic. Et Madic doit être jugé. S'il doit être condamné, il sera condamné. Les autres, pareil, ils seront tous jugés. Parce que d'habitude, nous, Guinéens, là, on est habitués à, je ne sais pas, au favoritisme. Cela ne marche plus dans ce pays-là. Non, non. Cela ne marchera plus dans ce pays-là. Non, ça, c'est fini, ça. Même moi qui suis là, là, je suis du RPG. Si je déconne, on va me mettre dedans. On va me juger condamné. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Je dis bien, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, vos hypocrisies là, gardez ça pour vous. Ce n'est pas le moment. Genre, vous voulez montrer que vous êtes les, vraiment des personnes bien ou je ne sais pas quoi. Hein? Arrêtez un peu ça. On s'est tous battus pour le RPG. Tous. Birina Ramanier Nara. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de RPG.
Wombiri n'en combat, mais énergie RPG a gagné. Ra RPG a gagné. On n'a pas ce droit-là. On a d'or, on a fallu, oui, parce qu'il faut qu'on libère telle personne. Parce qu'en tant que qui, m'a dit qu'il est qui, il est quoi. Kala, les doubles nationalités, là, Naïra. Ça, c'est le Canada, c'est pas la Guinée. Ici, c'est un pays de droit. Il y a la loi. Les autorités sont là pour ça. Quand tu commets des fautes ou un crime là, tu vas répondre. C'est aussi simple que ça. Que ça vous plaise ou non. Tout le monde était là. Il faut qu'on arrête Madik. Il faut qu'on arrête Madik. Il faut qu'on arrête Madik. On va arrêter Madik. On va arrêter Madik. Mais Madik est arrêté là. Vous voulez vous donner genre qu'on de libérer Madik. Parce qu'on a vu ses parents. Parce qu'on a vu ça. Les autres qui sont là, là, ils n'ont pas de parents. Les autres qui sont là-bas, là, ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas d'enfants. Hein? Ils ont aussi des enfants. Ils ont aussi des parents. Donc, ils seront tous jugés. Ils seront tous jugés. Dans les cas contraires, on va se serrer les coudes, demander pardon pour tous les autres. Madikou, les consorts et autres. Mais là, là, souvent, c'est nous les Guinéens là, qui aimons venir dire « Ah, en Guinée, il n'y a pas de justice. En Guinée, il n'y a pas de loi. Maintenant, il y a la loi. On vient encore dire « Il y a ça, il y a ça. » La Guinée, quand on a dit, Khali Alpha Condé Radinara, loua sa manéama. Il fait un dégbete. Il fait un dégbete. Donc, où on a relé Luna? Madik, certes, il a été frustré. Madik, ses parents étaient dans le RPG. Oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont perdu leurs parents dans le RPG. Mirigbek Benana qui ont commencé l'affaire de RPC là, ils savent même pas prononcer le français. Et man est RPC. Maintenant, aujourd'hui, eux, ils sont vraiment frustrés parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de rencontrer le président de la République de Guinée, ni rien. Ral 100 francs et Mas Otakui. C'est aussi des frustrés. Andé Nanera, famille perdue, Nere, Radé, Farir, Ngouigné, Fara. Moi qui vous parle là, je suis frustré. Oui? Pourquoi je suis frustré? Moi, je ne suis pas dans le RPG à cause de l'argent. J'ai une conviction. Je ne suis pas dans le RPG à cause de l'argent. Avant le RPG, je vivais bien. Ni na randi sotoma na doma. Mba le alangarige na narana na sotoma na doma. Donc au mousso RPG kobri firamra. Pas du tout. Moi j'ai été malade. Hospitalisé. Pendant une semaine, nous sommes à l'hôpital Inyasdin. Je suis malade. Je suis malade. J'ai été malade ici. Une semaine, nous hospitalisé, nous sommes à Inyasdin. RPG Mirikere, à cadre Mirikere Mousganire, à cadre Mirikere Mungli, à nous ne biringline. Ne biringline, non, je suis malade. Personne n'est venu me voir, personne ne m'a appelé. Mais na manière, nous sommes à l'hôpital, nous sommes soto. Na manière, hôpital sare ma soto. Na manière, nous faisons des yoga. Mais j'ai dit ici, na RPG, non, qui en fera. Na RPG, non, je suis ici pour le RPG. Le professeur Alpha Condé, je le soutiens jusqu'au bout. Parce que j'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole. Je respecte ma parole. C'est mon anira, mais Nangui Rambira. Nangui Rambira. Oui, et non, malhomme. Il n'y a pas de. Donc tout le monde est frustré. On a insulté nos mamans ici. On a insulté nos parents ici. À cause de la politique. Merci bébé Jenny Condé. À cause de la politique. Donc on est frustré. Mumbiri frustré nana muna. Mumbiri frustré parce que Rafane Mirma il était farama il est nanga ngafi au moins nakanyira colonel dikani bara il était fara. Moi je n'ai jamais connu la tension dans ma vie. Mais dik campagne bara tension fima parce que j'ai pris trop de poids, je suis tombée malade, je suis devenue hypertension. J'ai eu l'hypertension maintenant. Maintenant, je ne peux pas trop crier. Il faut que je me repose. C'est pourquoi je ne fais plus de direct. Mais quand c'est nécessaire, je viendrai donner mon point de vue. Quand il s'agit de combattre là pour le RPG, je serai toujours là. J'ai toujours mené mon combat toute seule.
Et ce sera toujours le cas. RPG Raina Biramatoutina, je serai toujours là pour eux. Parce que Mbarangou ici, on a un cobre firamura. Donc, la hypocrisie, c'est une reine qui, plaidoirie une reine qui, au Banama. On a pas d'importance, on n'a pas trop quoi. Nous, on est qui pour venir, même si moi je venais tout à l'heure libérer Madik sans frontières ou libérer qui de je sais qui, je suis qui, je n'ai aucun droit. Parce que groupe est à mon anna, sorry à mon anna, loua mon anna, loua re. Doua mon anna, ben afanga de ronya maman, afla, ouetel ben, ouetel ben, ouetel ben. Mais c'est quoi ça? Il faut qu'on se respecte là, à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Hein? Quatrième République Nareki. 2010 marek do bien 2015 mara khali ni menge wota nan rima ire kere luata luanara na alhamdulillah déjà menge na nan munira le professeur Alpha Condé, c'est un homme qui est comme ça, c'est un homme qui est digne, il est correct, il sait ce qu'il veut, il est là pour sa nation. Donc pour ça là, nous avons la conscience tranquille. Madik et autres, ils seront tous jugés. S'ils doivent être condamnés là, ils seront condamnés. Parce que loi, foi rassané nan singema, mfangato, ofanara matofe ki wato, ora que non que, à la Guinée, loi nana. Donc, foi respecter nan. Favoritisme mounasono. Favoritisme mouna sonno. On ne s'est pas battu pour rien. On s'est battu pour ça. Pour qu'il y ait la loi. Et que nous puissions respecter la loi dans ce pays-là. Et qu'on se respecte ici. Et qu'on respecte la loi. Qu'on respecte nos cadres et notre président de la République de Guinée. C'est pas un individu qui va venir se mettre sur les réseaux sociaux à insulter le président de la République de Guinée ou à insulter les cadres parce que lui, il est frustré. Je pouvais sortir aussi, m'apprendre aux autres, attaquer les gens avec qui j'ai travaillé, mais je n'ai pas ce temps, moi. Je n'ai pas ce temps, moi, parce que j'ai dans la tête que avant ça, là, je vivais bien. Avant ça, là, je mangeais bien. Avant ça, là, j'avais tout ce que j'avais besoin. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, là. Naba manira. Rarissama. Rarissama, birinambe. Rarissama. Rarissama, et birinambe. Nafa mankere, kere marade. Wom birimini. Wom garissa, wom nafa la menge. Wodie gitel personne ma. Khal wonda yena fala fa galine anebe sore pen fi mane yete kama emine sendeha et sa madi ki sou mfo mine fo frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire parce que il savait que il avait la certitude que ce qu'il a fait là et tout ce qu'il a dit, il y avait la prison qui l'attendait. C'est pourquoi il n'a pas voulu passer par l'aéroport. Il a pris la route pour aller au Sierra Leone, de là-bas traverser. Pourquoi? Parce qu'il se reprochait de quelque chose. C'est libre parce qu'il se... Vraiment, fiston Kamara, c'est parce qu'il se reprochait de quelque chose. S'il se reprochait de rien, là, c'est l'aéroport ici. Il y a un aéroport, il y a un gorobéré. Quand ça au Sierra Leone, Khali Madik était parti encore, sans que Moura sorte et rébellerait ses mains, l'armée guinéenne ne fout rien, l'armée guinéenne ne travaille pas. Madik baramini la Guinée en fait frontière ha barasiga. On a fait falaki ya la mané. Du moment que les armées guinéennes ont fourni l'effort là pour arrêter ce soi-disant Madik sans frontières, avec tout le crime qu'il a commis ici, vous, c'est vous qui sortez encore aujourd'hui qu'on va pardonner Madik sans frontières, on va faire ça. Vous, vous êtes qui? Arrêtez ça. Soyons sérieux, hein. La Guinée kana na ombirina. Ombirina la Guinée dina na ombirina. Madik n'était pas obligé parce que ses parents ont été fissurés dans le RPG ou parce qu'il a envoyé son projet en 2016 ici. L'État l'a pas soutenu et tout. L'État n'était pas obligé de soutenir Madik. Je suis désolé. L'État n'était pas obligé.
Le projet Fanginara, l'État a soutenu Manenu. Mais ils n'étaient pas obligés à soutenir. Et Thomas a soutenu. Est-ce que ça vaut le coup? Arak Bile, Arak Bombo a fini, a été quand fini d'arrêter et Tara ennemi Singira. Hein? Tu es frustré. Calme-toi. Tu étais libre de suivre le RP et le UFDG. Il n'y a pas de souci. Mais ton UFDG, Nagi, il y a un combat, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Il y aura une guerre à gagner politique là-bas. Mais il y aura un adversaire touché. Il y aura un adversaire combi. Ou bien il y aura un incité à gagner mini travaux ou je ne sais pas quoi. Maintenant, hey, la Guinée, tolérance zéro. Le président a dit, quiconque sort sa tête, on le coupe sa queue. On le coupe sa queue. Il y aura la fin d'une dendera. Il y aura un roulis dans le rabat. Mais il y aura un tanara. L'ou a sa manem fari. Kalintanara mfe fala ya ubi mfe rabana kama mula magaraba nara ba mane e fala mane mbaga a régler. Il faut pas parler juste parce que tu as envie de parler. Non non, avant de parler il n'y a rien à faire. Donc c'est ce que j'avais à dire. Madik sans frontières, il sera condamné et jugé. La Guinée maintenant, c'est pas la Guinée de 2000. On dit combat mener nanankui. On amène ce combat là pour ça. Maintenant, là, il n'y a plus de tolérance. Si Madik n'avait rien à se reprocher, là, à Mousgama, c'est à Lyon, Krara. À Dengim, aéroport, à avion, Tongo. Donc, on a demandé plaidoirie, hypocrisie, à Naganaki. Arrêtons ça. À Moulamana, qui est, c'est pas Alpha de 2010 qui est là, hein. C'est pas Alpha Condé de 2015 qui est là. C'est Alpha Condé de la 4e République. C'est la loi maintenant. Même si c'est moi, même si c'est Marino. Même si c'est qui, la loi, on appliquera la loi. La loi est plus forte que la raison. Donc c'est ça.